Bonjour, bonjour à tous, salut. Donc je me présente, je m'appelle Kev Adam, je viens tout juste d'avoir 19 ans. Je vois qu'il y a des jeunes dans le public, c'est cool. Ça va les jeunes? Yeah. Je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ça va les vieux? Yeah. Et alors, attention, j'ai absolument rien contre les personnes âgées, hein. Moi aussi un jour j'aurai 35 ans, c'est pas ça le problème. Et je viens vous voir aujourd'hui pour vous donner un message vraiment au nom de tous les ados de France. Laissez-nous dormir le matin, quoi. Sans déconner, laissez-nous dormir le matin. Arrêtez avec vos prétextes débiles. Franchement, honnêtement, qui n'a jamais entendu sa mère lui dire « Tu sais pas la chance que t'as d'aller à l'école. » Moi, je rêverais d'y retourner. Ma mère à moi, elle m'a même dit « Je payerais pour y retourner. » Le lendemain, je suis resté au lit, j'ai éteint mon réveil, j'ai fermé ma porte à clé et j'ai glissé une enveloppe sous ma porte avec un billet de 5 euros et un mot qui disait « Vas-y, maman, va au bout de tes rêves. » Elle m'a puni. Et puis même, en plus, il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est que quand on nous réveille le matin, souvent, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais souvent, moi, on me réveille au moment où le rêve, il va devenir bien. Tu sais, t'es dans ton rêve, t'es bien, il y a Angelina Jolie, elle est avec toi, tout se passe bien. Tu sais, tu commences un peu à lui parler, tu sais pas pourquoi d'un coup, Angelina Jolie, elle prend la voix de ton père. Genre, Angelina, tu veux qu'on aille faire un petit tour avec mes Ferrari? Je peux t'emmener quelque part. Ouais, je veux bien que tu m'emmènes à l'école, il est 8h, s'il te plaît. Putain. Et puis aussi, cette phrase débile, cette phrase ultra débile que tout le monde dit, quand j'étais petit, ma mère, elle voulait que je me couche tôt, même quand il n'y avait pas école le lendemain. Et elle me disait cette phrase débile, c'est pour garder le rythme. C'est pour garder le rythme. Un jour, j'avais école le lendemain, je suis rentré à 6h du matin, torché, je lui ai dit, c'est pour garder le rythme, il faut garder. Et puis en plus, si vous voulez qu'on dorme le matin, et surtout il faut nous laisser nous endormir le soir. Ma mère, elle me prenait la tête avec des trucs le soir. Un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, Kevin, ne dors pas avec tes chaussettes. Pourquoi? C'est très simple, parce que les chaussettes te coupent la circulation du sang pendant que tu dors. Te coupent la circulation du sang pendant que tu dors. Moi, je faisais des cauchemars de ouf. Sérieux, j'étais dans mon lit comme ça, je regardais mes chaussettes et je les imaginais en train de faire... C'est bon, il dort. Après, on lui coupe la circulation du sang. Et puis parfois, on reste au lit, c'est pas seulement pour dormir. Tu sais, on est des jeunes, on se pose des questions. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions, hein, sur mon physique, à commencer par mes cheveux. Y a rien de drôle pour l'instant, ok? Moi j'ai des cheveux vraiment, c'est pas un truc, tu vois, on a toujours l'impression que je me suis réveillé tard le matin, tu vois. C'est une esquisse, c'est un projet, moi tu me jettes sur un mur de crépus, ça fait velcro, tu vois, je reste accroché. Quand même. Et en plus de tout ça, les cours le matin, je vais finir avec ça, les cours le matin, souvent c'est les cours qui servent à rien, quoi. C'est vrai, souvent c'est genre maths, anglais, français. À quoi, qu'est-ce que ça va me servir à moi le français? C'est ça, qu'est-ce que je dis? Ça sert à rien le français. Et puis, la dernière fois, mon père, il m'a réveillé à 8h, il m'a dit « Kev, réveille-toi, t'as cours de techno. » Je savais même pas que ça existait, moi, de la techno. Tu sais, quand il m'a dit « cours de techno », sans déconner, hein, je pensais que j'allais rentrer dans la salle, j'allais m'asseoir, et j'allais voir ça, quoi. Allez-y, entrez, il y a de la place devant, allez-y. Allez-y. Je m'appelle Monsieur Lefranc, je suis votre professeur de techno. Mais vous pouvez m'appeler DJ Spoutnik. Ça va ce soir? Sortez vos cahiers et vos stylos, parce que ce soir, en salle 306 pour la 5ème B, contre... Abonnez-vous sur notre chaîne, là.